Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios LaSense.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora et la radio Puissance Max. Pour notre jeudi 3 novembre, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 7, le quartet dans le désordre en 7. Enfin, mon quartet du 52 est passé au 53e. Bon, ne sautons pas au plafond mes amis, c'est une arrivée de favori, mais bon. Bon, cheval du jour gagne la course, mais de couplet gagnant, mais de base, 4 et 8 sont là, donc je vous donne un couplet gagnant placé, ainsi que un 2 sur 4. Et pas mal de petites choses très positives aussi dans les jeux champ réduit, avec bon tout à fait mon multi et mon champ total ou karaté. Dommage, encore une fois, ma dernière minute termine aux portes du karaté, mais ça fait partie du jeu. Par contre, sur ma nouvelle chaîne YouTube chez Pascal, mes deux outsiders, le 2 et le 5, sont dans le quartet. Très peu de pronostiqueurs avaient mis le 5 dans leur quartet. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que pour moi, ils détenaient une très 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 bonne chance. Donc, tous les matins de la course, n'oubliez pas en plus de consulter ma dernière minute, bien sûr. Vous allez voir également mes outsiders préférés. C'est aussi du gratuit, mes amis. Par contre, j'ai rouvert aussi mon blog. Pour ceux qui aiment bien avoir de l'écrit également en plus de ma vidéo, je mettrai également le lien de ce blog en dessous de ma description. Et il y aura aussi pas mal de choses de ce côté-là. Et encore une fois, je me répète, rien que du gratuit, mes amis. Donc, on y va. C'est parti pour notre vendredi 4 novembre. Notre 4 aura lieu encore une fois sur l'hippodrome de Vincennes, réunion 1, course 4, distance 2100 mètres, encore à départ avec l'aide de l'Autostar. Départ 20h15, 15 au départ. Et vous le savez que le vendredi, comme me l'a déjà dit une fois un auditeur, un abonné, c'est le Black Friday. Généralement, le vendredi, c'est des courses de quintet introuvables. Mais on est obligé de plancher dessus. J'ai quand même 4 points de base pour notre quintet de notre vendredi. Allez, c'est parti. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 5 Estourel Mourier. Mon cheval du jour pour sa quintet vient de prendre une belle deuxième place. Adore le parcours de vitesse et surtout il revient avec de très très bonnes ambitions et ne vient pas à Vincennes pour faire de la figuration parce que son écurie se déplace de très très loin. Donc ils ne viennent pas pour faire du tourisme, mes amis. Le 6, Far West du Rip, sera ma deuxième base. Il sera en mode course pour ce quartier. C'est un très bon point d'appui. Le 7 et Calgrin, je l'ai peut-être passé assez haut dans ma sélection, mais j'y crois beaucoup pour une très bonne place. Mon coup de cœur sera le 1, Feeling Boy. Voilà, et en plus, son driver vient de gagner la course du quartier d'aujourd'hui. Donc, attention, attention. Mes 4 bases, le 5, le 6, le 7 et le 1. Le 3, Fusée des Vaux, après deux courses en mode entraînement. Avant, elle était plutôt régulière, donc attention, j'y crois beaucoup pour une très 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 bonne place. Le 2, Fête d'Orvard, sera beaucoup de folie, et je termine ma sélection par le 4, Écume du Furetier, qui sera beaucoup de poker, mon très très gros regret, le 15. Mon cheval du jour, le 5, mes deux belles bases, le 5 et le 6. Mon coup de cœur, le 1. Mon coup de folie, le 2, et mon coup de poker, le 4. Mes 2 sur 4, le 5, le 6 et le 7. Mes couplets gagnants placés, le 5, le 6, le 7 et le 1. Je répète ma sélection, le 5, le 6, le 7, le 1. Le 3, le 2 et le 4. Voilà, c'en est terminé pour vos pronostics pour notre vendredi. Retrouvez-les bien sûr sur la radio LaSense.fr, sur la radio RDC.fr. Allez faire aussi un tour sur mes autres liens de partenaires de radio, c'est toujours toujours très important. Donc, n'oubliez pas, le matin de la course, allez également consulter ma deuxième chaîne YouTube chez Pascal. Et également, allez voir mon blog. Il suffit, voilà, c'est du gratuit. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et si vous voulez vous abonner, recevoir directement la newsletter de mon blog, vous vous abonnez et puis vous la recevrez automatiquement également dans vos mails, pardon. Donc encore du plus pour vous aider au niveau des courses hippiques, mes amis. Et vous le savez, moi, c'est que du gratuit. Il n'y a pas d'abonnement à payer, quoi que ce soit. Donc, que ce soit ma première chaîne YouTube, ma deuxième ou mon blog. Donc, voilà, je suis là pour vous aider, mes amis, à vous dénicher les bonnes pépites. Allez, c'est parti. Sur ce, merci pour les commentaires, bien sûr. Et à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Orsois, le Pharaon, les courses.